Donc nous sommes tout de suite après la fin de FF13-2, puisque cette fin est absolument insatisfaisante au possible, bah, let's go for the new game. Hein. Vous avez choisi le mode facile, combat aisé, pas de pénalité en cas de fuite, regain de PV automatique, attention vous ne pourrez pas changer le mode en cours de jeu. Eh, on a dit que je faisais RE en mode normal, donc vous me laissez FF en mode facile. Je ne veux aucun commentaire. No commentary. No commentary. Thank you. Eh ben, let's go. Non, 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 pas en hard. Je vais déjà essayer en ANM, ça va assez me stresser comme ça, là. Je vais encore me balader avec une horde de zombies au cul, avec deux balles dans mon flingue. Ok, quoi, c'est bon. Ah oui, tu m'avais dit, il y a des trucs chelous pour le stream. Seul commentaire, tu as bien raison. Merci, Mianko. Tu es vraiment la meilleure modératrice du monde. Je ne finirai jamais de le crier sur tous les toits. Oh putain. Bon, à quoi t'es le deuxième peut-être meilleur modérateur sur ce coup-là. Mais parce que le troisième est pas là, tu vois. Mais... alors, Light Knight Return Final Fantasy XIII enregistre automatiquement votre progression. Lorsqu'une sauvegarde automatique, un symbole apparaît en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez aussi sauvegarder manuellement en appuyant sur échappe pour ouvrir le menu pause. Ok, donc on regardera Kezako. Ah, c'est rigolo, il reconnaît ma manette, mais il me donne les touches du PC. Yes. Veuillez ne pas éteindre le système PS3 lorsque le symbole est affiché. Pas de soucis. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'il était un peu chelou. Alors, vas-y, fais voir. RDV après la cinématique, les petits potes. C'était la voix de Hope, ça. Un portage de qualité. Ah mais il est vraiment passé en mode Bat Snow hein. Et il est presque à grou-grou là hein. Au secours. Qu'est-ce que c'est que ça? La libératrice, il l'appelle même plus par son nom? Et c'est ta belle-sœur, Jean-Michel? Allez. Mais non, tu vas pas te mettre là.
Te sauver, on t'a dit, Jean-Michel, pas te tuer. Du coup, l'humanité n'a pas été annihilée. N'a pas été annihilée, quoi, à la fin du 13-2. Il veut des câlins. Lumina, Lumina. Bon, Lumina, ça rime avec Sera, mais... Elle a surtout la tronche de ta meuf. Ok.数百年の歳月が私たちを変えていた。かつて共に戦った仲間スノーは凶楽に浸る宮殿の主。そして私は解放者。カオスに飲まれていく大地に使わされた神のしもべ。なあ、スノー。遠い昔、 Je sais pas s'il y a encore une histoire de temporalité. Normalement, non, Anno. Là, je pense qu'on est... On est dans le monde qu'on a laissé dans le 13-2 à la fin. Ok. La baston tuto. Ça, comment faire? Hope Estheim. Ouais, je comprends même pas l'interface, là. Déplacer Light Knight et attaquer l'ennemi grâce aux compétences assignées aux touches. Mais c'est même pas... Mais elle est toujours de clavier. Maintenez une touche appuyée pour utiliser à répétition la compétence qui lui est assignée. Utiliser une compétence consomme des segments de jauge ATB. Ok. Oh, putain, elle a ma segment, là, ou... Ok. Appuyez pour attaquer l'ennemi jusqu'à ce que la jauge ATB soit vide. Il se pose de trois... Bon, ça va, à la limite, c'est en fonction de là où c'est mis sur le truc, donc YB, c'est... ça va le faire. De trois styles de combat. Bien qu'elle n'en ait pour l'instant que deux, un style est une combinaison de plusieurs pièces d'équipement et de compétences. Vous pouvez changer de style instantanément et à volonté en appuyant sur E. Ok. Ok, donc ça, c'est ma touche LB. Muse noire... permet de changer ses capacités de combat. Chaque style a sa propre jauge d'ATB qui se régénère peu à peu individuellement. Vous pouvez maintenant utiliser une jauge. Parce qu'elle est jaune. Oh putain, la jaune... Quoi?
la jauge jaune, puisque la jauge rouge de cette divinité est passée en retrait, d'accord. Jauge d'épée en retrait se génère plus rapidement. Ok, donc ça va être le truc rouge qu'on voit en haut, je suppose. Changer de style, ok. Ok, donc celle d'en haut, elle est en train de régène. Ça veut dire que quand celle-là est vide... Hop, je peux passer, ok. Ça, c'est compris. Ok, ça, c'est compris. Ouais, mais je verrai le prochain coup, c'est pas bien grave, parce que comme je vous disais, au final, même si c'est pas les mêmes touches, puis d'en haut correspond à la touche Y qui est en haut, pareil pour les autres, donc c'est ok, je devrais m'en sortir. Moins chiant qu'avec la chikungunya, qui a des touches qui sont pas à la bonne place, quoi. Contre autre actuel, le caméra. Non, je vais laisser ça comme ça, hein. Il y en avait d'autres. Ok. Merde, c'est quoi la touche pour attaquer du coup? Bah. Frapper l'ennemi avec U. Ah, c'est ça, U, ok. La compétence garde permet de réduire les dégâts subis, utilise juste au moment où l'ennemi attaque, permet d'effectuer une garde, ok. Bien joué, vous avez paré l'attaque. Il est mis KO si ses PV tombent à zéro. Voilà. Bon, c'est ok. Ah, ils ont des attaques choc aussi. Ok, ça ils l'ont gardé aussi dans le 3. Bah, U on t'a dit, mais le U de la manette, c'est pas évident en fait. Hein. Profite de l'intro, le jeu n'a pas encore le point qui risque de poser problème. Ok. Il y a des gens qui l'ont déjà stream. Le truc que je comprends pas, c'est... pourquoi il y aurait un truc qui poserait problème en stream et pas hors stream, en fait? C'est ça que je capte pas. Oh bah attends, je vais aller me faire le dernier là-bas, alors. Marche noir. Ah, ça va changer de la Jacqueline Chocobo. Bah, pour l'instant, je comprends pas Zoz. Alors, il a un petit peu plus de swag que la Jacqueline Chocobo du 13-2. Hein. Les boutiques vendent des objets de soins tels que des potions, des remèdes et des queues de phénix. Ils vous permettent respectivement de regagner des PV, points de vie, machin, ok. Cependant, vous ne pouvez porter qu'un nombre limité de ces objets de soins, alors choisissez bien ce... Ok. Ah, objet de soins 2 sur 6. Pourquoi j'ai dit oui? J'ai pas besoin de... Voilà. On ça pour l'instant. Ah, l'inventaire est tout petit par contre du coup. L'inventaire des objets de soins, c'est bizarre. Appuyer sur O permet de sprinter. C'est ça sprinter? Ouais, je sprinte là. Ça va vite! Snow, attends-moi, espèce de chouin. Ah, je peux pas me battre? Tu l'aimais bien, Chocolina? Oh, c'était une petite chouinette.
Souhaitez-vous les explications concernant le changement de cible? Oui. Ah bah oui, mais du coup, ça va jamais être le bon truc, ok. Je viens de faire un truc de synchronisation, j'ai pas compris. Changer de cible permet par exemple d'éliminer un ennemi en priorité. Bah oui, j'ai bien compris, mais j'ai pas trouvé la... J'ai pas trouvé. C'est une ouvreuse tous les jours au boulot. Prendre ses articles. Bizarre le truc rouge autour de sa barre de vie là. Ah, Chocolina. Oui, du coup elle change de fringue à chaque fois qu'elle change de... Donc ça doit être ça l'espèce de vétisphère en fait. C'est la jauge de choc le truc rouge. C'est un peu bizarre quand même. Ah, c'est plus il arrive dans le rouge, plus il est prêt à passer en choc. Là, le truc est jaune. La bêtisphère. D'accord, ok. Donc le mec de tout à l'heure était proche de passer en état de choc, quoi. C'est con, c'est moins clair comme système. La barre, c'était pas mal. Je suppose que c'est pareil, tu dois avoir des... Alors je vais appeler ça des vétisphères pour l'instant, hein, mais voilà, c'est... Au moins on sait de quoi on parle, mais parce que je suppose que ça doit être un peu un équivalent de, bah, des deux autres opus où t'avais le tacticien, le... Merde, comment il s'appelait là, le... Je viens de le faire, hein. Bref, la classe là, qui permettait de bourrer et tout et de monter la jauge de choc, je suppose que c'est pareil, tu vas avoir des pseudo-vétisphères qui vont permettre de bourrer ça et d'autres un peu moins peut-être. Chaque tenue va avoir des compétences... ravageurs, merci. Tu vas avoir chaque compétence qui vont avoir des choses particulières. Ça paraîtrait plutôt logique. Même si... on va peut-être pas se faire le jeu tout seul. Ah, il y avait un truc là. Mais vas-y, wesh. Ah mais non, c'était là, ok. Après, est-ce qu'il va y avoir des pseudo-arbres de compétences, enfin un autre cristarium pour les tenues? Oula, excusez-moi encore de taper. J'ai pas l'habitude qu'il y ait un truc dans mon angle de mouvage. Excusez-moi pour les coups. Ah, c'est la Fossera, Lumina. Tu es qui? 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 Tu es qui?
ただの人間とは思えないな。へえ、ちゃんとカオスが見えてるんだ。神様に作られたしもべとは違うみたいね。ouais, gros gros. OK. Bonjour. Bah non, du coup, c'est pareil. Juste que j'arrive à le mettre en état de choc, quoi. Ouais, ok, l'électricité, ça a l'air de beaucoup mieux marcher. Ça va être attaque magique. Ok. Ok, il va passer. Ok, il est en choc. Et là, je peux le bourrer. Non, je peux le bourrer. Ça va être compliqué, mais... Il n'y avait pas la garde qui permettait de... C'est relou. Merde, j'ai pas fait garde au bon moment. Allez. Et bzibzit. Ok. Je peux plus attaquer. MDR. Ok, faut vraiment que... Faut vraiment que je trouve l'équilibre, en fait. Oh, c'est chiant. Vas-y, attaque-moi, Jean-Michel. Voilà. Fais le passer. Allez, choc, choc, choc. Choc, choc, choc. Touloulou. Je veux être de valeur. Il y a une jauge de points. Ouais, c'est la jauge d'ATB. C'est un peu bizarre, mais yes. Après, oui, je suppose que quand on aura débloqué le troisième slot, on aura plus de roulement, quoi. Quoi par là? されている。破れるか。力ずくでは困難でしょうね。開けないか調べてみます。少し待ってください。オプロムキミュルミュレアロライドライト、クワ。扉の向こうはカオスの渦か。そんなところにスノーはいる。もう正気とは思えませんね。無理もない。希望を見失ったまま何百年も生きた挙句、もうすぐ世界が滅ぶんだ。Elle a l'air d'avoir beaucoup mieux supporté entre guillemets la disparition de sa sœur que Snow. Snow の心はもう壊れてしまった。そういうことですか。信じたくはないがな。まずい、発見されました。ここまで来て引けるか。私だけなんだ。セラを亡くした痛みをあいつと分かち合えるのは。ええ、そうです。
Oh, le TP. Intéressant. Oh là là, Snow boss de fin quoi, terrible. それは取り返しのつかない過ち。私はたった一人の家族を妹を戦いに送り出した。 妹を、セラを死なせてしまった。私は、私は自分を許せなくて。けれど、自らを裁くこともできなくて、いつの日か妹の魂を救いたい。それだけを願って。あ、elle est tellement belle comme ça。その眠りについた。そのまま永劫のような幾百年かが過ぎ、やがて。 その輝きに触れた時、私は悟った。光は形なき神の姿、この世を統べる思考の存在、神々の中の神に残す、ブーニベルゼ。光は神の声だった。輝きは大きな意志となって私に告げた。私が神のしもべとなり、 神に下された使命を果たせば、奇跡をもって報いると。セジャンダークンフェットの。私が死なせてしまったセラを、かけがえのない妹を再び蘇らせようと。シャーン、オスクール。私は人々の魂を救いへと導く者、解放者となった。 Très bien. Ah, ça, je vais pas mytho à nous. Si on peut botter le cul une fois ou deux de Snow avant qu'il redevienne cool, je dis pas non. Oula, c'est un peu le désert de Gobi là-dedans. Pour avoir des âmes contre la vie de Serra. Ok. Mais du coup, Feng, Vani, Sas, tout ça. Oh, c'est redevenu un gamin. Oh, il est redevenu insupportable. Non. C'est non. Oh, j'ai une... Oh, j'ai des tenues partout. Salut Doukar, pourquoi le... What a rapport? I don't understand. Oh, j'ai reconnu, j'ai vu ses fringues, je me suis dit putain. Ok, personnalisation des styles. Bah bien sûr que je veux un tuto, vous pouvez maintenant personnaliser vos styles. Chaque style est une combinaison de tenue, d'une arme, d'un bouclier et de compétences. Modifier ces éléments vous permet de changer vos capacités de combat. Vous pouvez créer de nouveaux styles ou personnaliser ceux qui existent déjà. Sélectionnez créer un style pour compléter la liste de droits styles principaux. Ok. Créer un style. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle comme ça !
Ok, j'aime beaucoup. Sélectionnez maintenant une arme qui sera associée à ce style. Les armes modifient principalement les caractéristiques. Force, magie, capacité de choc. Ensuite, sélectionnez un bouclier qui sera associé à ce style. PV max, vitesse, garde. Est-ce que je dois mettre ça? C'est les compétences de ce style. Ok. Et ensuite, je la mets là. Parce que du coup, j'ai pas bien vu, mais yes. Oh, j'ai pas mis garde. Mettre garde légère. Elle est vraiment stylée. Passe un coup dans les réglages, ouais, je vais check. J'ai ressorti mes vieux habits juste pour faire plaisir aux joueurs. Oui. Réglages. Configuration manette. Ouais, non, je pense que c'est... Ah. Yes. On est bon. Oula, il y a eu un petit bug. Croix de la libératrice disponible. Pour en savoir plus, examine la bibliothèque. Au secours. Oh, attends, j'y retourne. Réglage. Attends, justement, c'est où le truc des DLC, tu disais? Active le contenu téléchargeable. Activer le contenu téléchargeable. On. Vous devez redémarrer le jeu. Ah. Bah attends. Je sauvegarde. Donc à faire, hein. Quitter le jeu. Allez, salut. Bah c'était bien. Bonne soirée. Je vais quitter. Ah, je peux pas quitter comme l'autre. Quitter. Non, arrête avec ton pourcentage de trucs. Hein. Moi, c'est mort. Hein. On arrive sur le boss de fin. Il a 10 000... Il a 10 000% de stats. Hein. Ce serait terrible. Ouais, échappe veut pas. Bon, attendez. Je relance du coup le jeu. On aura normalement les touches... les bonnes touches. Et le truc des DLC. Et c'est quoi les DLC? C'est de l'ajout d'histoire ou c'est du cosmétique? Non, non, c'est du troll parce que je passe ma vie à sauvegarder. C'est horrible. J'ai un tic. Je sais pas sauvegarder une fois. Je sauvegarde 10 000 fois. Let's go, plein détenus. Yeah, 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 yeah. Oh, ce que ça fait bizarre aux yeux. Là, du coup, c'est un bon réflexe, mais à contenu téléchargeable mis à jour. Donc style, je suppose. Ah non. Inventaire? Ça va être dans quoi? Contenu téléchargeable.
Oh la vache! Oh, stylé! Il y a une Yuna. Pour les autres, on peut négocier, mais la seule manière... Oh, je pense que la reine Mok, ça va pas être négociable non plus. Je voulais choisir la dernière si vous le voulez, mais... Ah, elles sont stylées avec les katanas, là. Hein. Attends, j'ai lu Tomb Raider ou j'ai la berlue? What the fuck? Je la prends. C'est drôle. Quoi? Tu peux tout mettre? Tu peux les mettre en mog avec l'arme de Claude? Oh, ça n'a pas de sens. Oh! 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 Oh la vache! Elle est méchamment stylée! Je prends tout? Ok. Attends, mais je peux revendre ça à une fortune? Quoi? Mais quoi? Je m'attendais tellement pas à ça! Regarde la tête du moque qu'elle a sur le binou! Il est tellement vénère! Mais qu'est-ce que je fais là? Vous vous foutez de ma gueule? Le bâton de Mogi, ok. Elle va l'avoir sur la tête, trop mignon. Libératrice. Ah la vache. Bah, je prends tout du coup, hein. Je sais pas trop, ça sort d'où, là, les Tankafubu, Ikazashi, Odoshi, Atsume, machin, c'est... ça vient d'où, ce truc-là? Plus j'ai de choix, mieux ce sera. Ok. Je sais pas si c'est le prix de revente que je vois à côté en gris foncé, mais si c'est ça, y a même moyen de se faire du gils, hein. Prix d'achat, d'accord. Bon bah j'ai tout. Ok. Ah, il y en a d'autres là. Ah, la tenue des troncs. Yes. Ok. Des bisous, Mianko. La bonne nuit, pense à toi. Et bon week-end. Alors, style. Bah, désolé, hein, mais... Oh là là, mais ça, c'est... Elle est gaffe jusqu'à la fin du jeu, celle-là. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Je... J'espère vraiment qu'elle est insane, parce que celle-là, on l'a jusqu'à la fin du jeu. Donc l'ensorceleuse, elle va manger ses morts. Oh là là, mais regardez-moi cette classe. Oh, regardez-moi cette classe. Elle est trop belle. Alors attends. Du coup, si je comprends bien, ce serait entre guillemets hein, une classe tank, une classe DPS CAC et une classe magique, c'est ça un peu? Ou c'est moi qui me fourvoie totalement? Je suis amoureuse, hein. Faut que je vous le dise, je suis amoureuse.
Je sais pas trop, info sûre, tu vas passer ta vie avec... Ah ouais, non mais... Alors attends. 350, faudra un truc qui tape là. Non mais ça, ça par contre elle, je vais pas m'en remettre. Hein. Je vois pas. Celle-là pourrait être pas mal, peut-être. En attaque. Celle de Claude. Oh, allez, je vous l'accorde, la petite Claude. Non, pas fraternité. Pardon, je me suis trompée de jeu. Un sort de soldat. Comment ça? Oh, comment ça? Oh! Oh! Oh mais vas-y, je vais la girliser. Allez Claudette, Alexandrie, toudoudoudou. Alexandra, Barracuda. Non, je peux pas faire ça. Non mais imagine. Oh je la laisse comme ça. Oh si. Oh peut-être en plus semblant du coup, parce qu'elle a déjà les cheveux roses. Faut pas faire ça. Non pas standard. Non attends reviens. Attends c'est où couleur? Ouais mais on la met comme ça. Hein. Ok. Yes. Ah ouais, mais enfin... Ah. Il peut faire de la glace? Ah, le soldat, c'est plus que c'était. Bon, c'est un petit soldat... On la voit un peu plus, on va dire. C'est pas une classe qui est censée sneaky, ça, on est d'accord. Invocateur, par contre, j'y touche pas. Hein. On peut juste regarder histoire 2, mais elle restera comme ça. Hein. C'est pas possible autrement. Kimono. Elle est tellement parfaite. Est-ce que je vous ai déjà dit que FF10, c'était le meilleur Final Fantasy de tous les temps? Oh, attends, en dark, là? Oh, attends, faut que je tente un truc, les gars. Oh, faut que je tente quelque chose. Ah, en dark, c'est presque pas dégueu, en vrai. Attends. Je pars sur du blanc, là. Ah ouais, non, mais attends. Elle est en dark... Dark Yuna Sasuke-kun. Vas-y. Ah, ça aussi, je peux pimper les armes? Tu déconnes. Ah non. Ah non, je peux pas. Ah, ok. Vas-y, je vais mourir. C'est fini. Et ça, du coup, on met quoi? Le soldat, on est pas tanky, hein, on est DPS. Attends, on a un truc basé sur la magie, un truc basé sur l'attaque, faudra un truc basé sur le speed. Il y a moyen d'avoir un truc basé sur le... J'ai envie de prendre celle-là. Elle est bien, elle? Oh, elle est tellement belle, elle aussi. Hein. Pour le troll. Bah là, j'ai une classe magique, une classe... avec quoi faudrait coupler pour qu'on soit genre bien? Parce que je suppose qu'on va en gagner d'autres dans le jeu. On n'est pas censé avoir tout ça. 1006... Ah ouais, tu m'étonnes. Vas-y, hein. Let's go, hein. Il est où le flingue? Il est où le flingue?
Ah non, ils lui ont mis fraternité ? Non, attends. Bah, si elle avait proc, si elle a proc avec fraternité, je crois bien. Ah, c'est que le début du jeu. Non mais attends, guette la taille du truc, quoi. Trop mignon. Attends, je suis en train de me tâter. Ah oui, non. Ok. Bon, puis du coup, faisez voir. En blanc. En noir. En blanc. En noir. En blanc. Voilà. C'est officiel. J'ai tout custom en noir et blanc. Oh putain. Ah, ça me bute. Ok. Et eh ben, let's go. Hein. Oh. Oh. Excusez-moi, faut que je prenne un screen. Oh non, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Bon, qu'est-ce qu'il veut le gamin là? Bouge pas, je relance le jeu, je dois avoir de trust. Yes. Attends, mais il a pas vieilli du coup? Pourquoi il était vieux dans le 13-2 et que là il est redevenu jeune? Ah, c'est histoire qu'on se souvienne qu'il était insupportable. Il a grandi et il a rapetissé, quoi. Ah, d'accord. Attends, Bunuvel truc, c'est pas le nom éclaté qu'ils ont donné à leur arche là? Enfin, à la boule qui s'est élevée dans le ciel à la fin du 13-2? C'est la boule, le dieu? Ils ont créé une boule dieu? Le dieu des boules? Quoi? Ouais, Bunny, jamais j'arriverai à prononcer ce truc-là. Hein. Ah, ils ont donné le nom du dieu à la boule, d'accord, mais la boule, c'est pas le dieu, du coup. Ok. Bien. Ah, yes. Clap au clap, Carly. La finesse. Ah ouais, non mais... Je pouvais pas faire autrement, la pépé. La fin de l'opus d'avant, c'était impossible. Ça va, ça va. Et là, tout à l'heure où tu repars sur WoW, ça fait 2 jours que je me co après le stream pour jouer, mais t'étais sur WoW, alors je suis allée me coucher. Je sais pas, tu veux test Lost Ark? Si t'es chaud, je t'accompagne. Mais est-ce que ton Minitel, il va pouvoir DL ça? C'est ça la question. Ah bon? Oh, y a déjà des gens dessus. Ah,
Bunivels. Mais c'est trop dur comme nom. Pourquoi ils l'ont pas appelé Jean-Claude? Oh là là, elle est tellement belle avec cette tenue, j'en peux plus. Bah vas-y, je te pouette quand j'ai fini et... C'est les packs fondateurs. Ah, d'accord. Ah, je pensais que c'était gratos, moi. Ah, j'ai CVD droit d'auteur, ok. Ça sortait aujourd'hui en free to play à 18h, mais c'était... Ok, d'accord. Bah vas-y, tu me dis, hein. Si t'essayes de le DL et que ton PC arrive à le faire tourner, tu me dis, je le mettrai à DL aussi. Si ça te va d'avoir une noob pour tester le jeu. Il y a une espèce de vieux bruit d'eau, ça me donne envie de pisser alors que j'y suis allée il y a pas longtemps, c'est terrible. Pourquoi il y a un bruit de flotte là? Ouais, Matt, tu me diras. Ah, faut qu'on parle encore, pardon, moi j'ai cru que t'avais arrêté de parler. Ok. この船では時間の流れが止まっているんです。偉大な神の力か。この場の時間は止められても、世界の終わりは止められないんだな。はい。終末は神の定めです。およそ13日後に神の。ああ、13日。1週末が早まるというのか。この世はあまりに衰えています。 神が現れる前に世界の寿命が尽きそうなんです。もしそうなれば、全ての魂は救われません。どうにかして世界の死を遅らせる必要があります。よく聞いてください。あなたには特別な力があります。その力とは気力。解放者の命の輝きとも言うべき恵みの力です。いいですか、ライトさん。あなたの気力を捧げれば世界に活力が恵まれる。 滅びを遅らせることができるんです。だが、そうやって世界の死を遅らせても、14日。15日は神は目覚め、この世は終わるのだろう。どうせ滅ぶなら、気力で時間稼ぎなどせず、神がさっさと目覚めるのを待ってもいいはずだな。もしそんなことになったら、運命の第13日を待たずに世界が力尽きてしまったら、神はあなたが失敗したとみなすでしょう。 Mais du coup, on s'en bat les couilles de réveiller Sera si c'est pour que dans plus d'un 13 jours le monde il explose. Enfin. Coucou, tu es réveillé. Eh, on décède quand même. Wouhou! Quel intérêt? Mais le plan est nul à chier! Enfin, y a un truc que je comprends pas ou ça tient vraiment pas debout cette histoire? Mais de toute façon, même sans ça, dans 13 jours, c'est capoute, il a dit le monsieur. Donc, capoute pour capoute, pourquoi on s'emmerde, en fait? Je... La dame a dit qu'elle comprend pas. Les âmes sauvées... Attends. Les âmes sauvées sont ce qu'on serait incarné dans le nouveau monde. Le monde est capoute, mais tu peux sauver les âmes des gens. Dieu irase tout, mais c'est pour reconstruire quelque chose derrière. Après le deal. Oh, quelle est belle l'interface.
Ok. Prendre deux queues de phénix. D'accord. Ah, donc là, le but du jeu, c'est définitivement pas de sauver le monde, c'est juste de sauver le plus d'âmes possible, parce que dans 13 jours, Dieu, il va faire « Hello, ich bin kaput », il casse tout, et on repop tous, enfin, tous ceux que j'ai réussi à sauver, plus Sera, si j'arrive à sauver assez de gens, et moi, in the new world. Ok. Ok, très bien. Ouais, parce que j'allais dire, c'est pas logique, cette histoire.世界の大半はカオスの海に沈み、残された僅かの人は、ノースパルティスと呼ぶようになりました。その異変は人間に永遠をもたらしました。人は時を失い、年を取らなくなった。でも、年老いることがなくなった代わりに、新たな命は、人の子供は生まれなくなったんです。人は不老になりました。ですが、不死ではありません。 Non, mais ils ont piqué le scénario de la dernière saison de The Sang ou comment ça se passe? Incroyable. Ich bin la mort. C'est large. この箱舟の正体は人工虚空、かつて人類が力を合わせて建造した機械仕掛けの星です。全能なる神ブーニベルゼは人々の魂を集め、新しい世界に連れて行こうとしています。でも地上の人たちは何も知らずに、ここを月と呼んでいます。今の自分が何者なのか、僕自身にも分かりません。 こうして話している内容も、エスクチュメンピ。わからないんです。記憶をなくしたわけではなくて、過去の出来事を思い出すことはできるんですが、実感がないんです。自分の体験なのに、全部一言みたいで。かつての僕は地上の街で暮らしていた。イントニュミコット。力を合わせて、カオスの脅威と。MDR。なのに気づいたら、こんなありさまです。地上の記録によれば。 La tenue rhapsodie rose devrait être interdite par contre. Qu'est-ce que c'est que cette merde en fait? J'ai envie de me crever les yeux. Honteux? Quoi? Just au secours? Et tu m'as dit que tu m'envoyais des trucs stylés, j'ai envie de crever. Voilà voilà. C'est quoi ça? Vous avez encore des choses à faire sur l'arche. Apprenez à utiliser les points d'énergie en combat. Examinez la bibliothèque. Ah oui, putain. Faut que j'aille lire des trucs. Pourquoi faire? Sur les étagères de l'arche se trouve le livre des conquérants, un grimoire enchanté dans lequel sont enregistrés les scores de combat que vous avez obtenus en vainquant certains ennemis puissants. Examiner le grimoire vous permet de combattre à nouveau les ennemis autant de fois que vous le désirez pour essayer d'obtenir... Mais je m'en fiche. Pourquoi? Bah, j'ai pas envie. Je suis obligée. Ouais. Pas grave. I'm a summoner. Oh là là, regardez-moi cette summoner. Notez-vous les explications concernant les compétences spéciales, bien sûr. La libératrice dispose de pouvoirs particuliers qui lui permettent, par exemple, de regagner les PV ou de fuir le combat. Ce pouvoir nécessite des points d'énergie, les PV. Indiqué dans un cercle en bas à gauche de l'écran, le maximum actuel est de 5, mais il augmente à mesure que Lightning devient plus puissante. Les PE sont restaurés chaque fois qu'elle revient sur l'arche. Ce menu de pause permet d'utiliser des objets de soins et les power. Ok.
Ralentis grandement le temps autour de soi durant le combat. Vas-y. Ah ah ah. I'm a summoner. Je l'ai éclaté. Oh, cette musique! Oh, j'ai envie de refaire FF10. On arrête tout. Oh, je vis ma meilleure vie là. Je vais être insupportable sur ce jeu. Savez-le. Oh, je vais être insupportable. Très bien. Tous les matins, 6h, ok. Je me transforme en citrouille, sinon. Mais ouais, mais j'avais dit que je voulais essayer de faire des petits jeux. J'ai pas fait des petits jeux, du coup. On repart sur un gros jeu. Enfin, ça va, 30 heures, en vrai, ça va. Trop le sphérié, mais c'était tellement bien, en vrai. Ouais, je sais. Ouais, mais non, c'est pas 150 heures la trame principale, Sakakara. C'est comme Yakuza. Je peux en avoir sur 150 heures si je fais tout. Tu me fais peur avec ton persona. J'ai l'impression que quand je vais lancer ce jeu, ma vie va s'arrêter. Mini 120 heures, putain. J'essayerai de caler les sessions personnelles et les veilles de jour où je bosse pas le lendemain, quoi. Ouais, mais Kofi, il fait du 100% aussi, donc ça m'étonne pas. Mais j'essayerai de caler ça des jours où je bosse pas le lendemain, comme ça on pourra faire des sessions un peu plus longues. Oh, la plupart du temps, il platine quand même pas mal. En tout cas, 100% du temps, il platine plus que moi, ça c'est sûr. En plus, il a kiffé de ouf Persona 5. Avec le calendrier du jeu. Ah. Il y a un calendrier dans le coup. Bonjour les gens. Bonne manga chaud. Da bisous. C'est un jeu incroyable. De toute façon, on va se balader un petit peu et on va s'arrêter. Je dis, on lance vraiment pour voir le début du jeu, quoi. C'était le jeu du confinement, bah tu m'étonnes. À parler comme un cochon pour restaurer sa safe. Ah, le sphérier, j'ai trop adoré. C'était vraiment trop bien. Ah, c'est trop cool que dans les cinématiques, elle soit dans la tenue que t'as prédéfinie. Oh là. Le Luxerian. Oh, c'est tellement gothique, hein. Oh, c'est so dark, hein. Bannou no kami Buniberzeを崇める教団救世院
C'est Vanille? Putain, attends. C'est Vanille? Pardon? Attends, mais qu'est-ce qu'elle fout là, Vanille? Pourquoi elle est devenue prêtresse de je sais pas quoi? Oh là là, ça va être encore un opus en mode guerre de religion, là. Elle. Bonne ambiance. Ok. Côte Luxerioka. Hikari no miyako dakara koso. Bah yes, c'est accueillant. On est content d'être là. Elle a des lacets au bras, c'est pas Feng. Eh, tous mes srabs, ils vont être devenus Jean-Michel. Jean-Michel, je veux te buter ou c'est quoi l'idée là? Moi j'aimais bien Feng. C'est plus ma copine? Le chemin de la foi. Le cadavre d'une jeune femme jonche le sol du parvis de la gare. Des femmes aux cheveux roses, comme Light, sont assassinées quotidiennement. Aurait-on pris la libératrice pour cible? Coltez des indices autour de vous et faites votre rapport à l'inquisiteur. La disponibilité de cette quête est limitée dans le temps. Bah, acceptez la quête. Ah ok, on est enquêtrice en fait? Je suis la sainte prêtresse ultime de ce monde, je confirme, c'est bien la fin du monde. Je comprends pas le projet, il a les cheveux courts ou il a des tresses? Ou il a une perruque tresse par-dessus ses cheveux courts? Qu'est-ce que c'est? Ok. Cette coupe de cheveux me... Ouais. Bon, ma mienne, là. Ouais, ça me... Mais ça a l'air d'être tout le monde, hein. Lui, c'est pareil. C'est un chapeau qu'il a, c'est... Oh, c'est bizarre. Ok. Ouais, mais c'est moi. Ouais. N'empêche, je suis pas... Je suis le seul, mais le... Il reste 6 jours, me stresse de ouf. Ah, c'est quoi le « il reste 6 jours » ? Il me reste 6 jours pour élucider la quête, c'est ça ? Oh, j'avais pas vu. Ah oui, j'aime pas trop les timers comme ça, moi. Ah,
Ah, ça va, 6 jours, ça me stresse pas trop. Si on arrive à un jour... À 6 jours avant le... Mais attends, ils ont dit 13 jours. Putain, c'est un Yamakasi Light. Ah, je peux pas lui parler à lui? Ok. Pourquoi ça brille, ça? Ouais. Le message est écrit en lettres sacrées d'Étron. La vie libératrice périra de la main du chasseur de l'ombre. Ok. Je me souviens, c'est actuellement 6 jours. Et tu peux repousser jusqu'à 13 avec les quêtes, ok. En 6 jours, c'est la fin du monde, donc game over. Ah, ok, d'accord. Ouais, mais du coup, les 13 jours, tu peux repousser 13 jours, etc., etc. Non? C'est le fait de faire les quêtes qui vont me filer de la radiance? Oh putain, c'est notre quête, merde! Torton, un employé de la gare, est inquiet. Bien que l'heure de la relève soit passée, son collègue Holmes n'est pas revenu, partait à sa recherche. Vous avez jusqu'à 6h du matin pour le trouver. Serait-ce l'homme en uniforme que les gens ont aperçu près de l'auberge? Oh, mais bande de relous, quoi. Non, je suis bonne pour recommencer le jeu? Non. Les quêtes secondaires. La quête rencontrera de nombreux personnages dans le besoin au fil de son voyage. Elle n'hésitera pas à se confier à la libératrice de ses quêtes et sans leur proposer. Vous êtes libre de les aider ou d'ignorer ses requêtes, mais si vous décidez de leur apporter votre aide et que vous libérez... Ok, vous gagnez de la radiance. Les étoiles sont affichées sous le nom des personnages. Si vous proposez des quêtes, s'impose le niveau de difficulté de la quête. Ok. Donc là, j'ai une quête principale et une quête secondaire. J'ai lu Armurier. Oh, c'est lui qui va me vendre des trucs incroyables. Non, par contre, vraiment, faut recommencer le jeu, sinon. Oh, la vache. C'est pas cool, ça. Dur. Vraiment dur. Ok. Je recommence le jeu, mais la version du Game Plus avec demi-heure stat pour aller plus vite. Ah oui, bah oui, je comprends. Attends, faut que je trouve un mec là avant 6h du mat. Je sais pas où je dois aller. Ah oui, j'ai jusqu'à 6h du mat pour trouver le mec à côté de la taverne là. Faut que j'aille voir, mais je sais pas où aller la taverne. Un petit chat?
Petit chat. D'accord. Bon. Bon, c'est faisable, quoi. Après, en tant qu'amateur du speedrun, je dois dire que c'est intéressant, mais pour un RPG, trouver ce fondeur, là. Progression au chrono, ouais. Je comprends. Alors attends, il va être où le bar? C'est quoi ça? Il est là le bar? やっぱりあいつらいつかやらかすと思ったのよ。毎日夜中になると白いローブに身を包んだ連中が集まってきます。白と言っても旧繊維の人じゃないわ。ブラン・エレティック系闇の狩人とかいう極悪人が率いる異端の徒です。彼らはいつもこの駅前広場のあたりに集まっているのです。その後でどこかに向かってるみたいで、もうそろそろ出てくる時間じゃないかしら。 Je fouille, hein. Ouais, donc il y a vraiment un délire avec les gens habillés en blanc. Cabine téléphonique près du cimetière. Oh, mais attends. On parle de la place de la gare, d'un bar, d'un cimetière. Ok. Ah, c'était ça que tu disais par rapport à la temporalité du jeu et le fait d'être en stream? C'était ça pour toi la difficulté? Ce que t'entendais par difficulté? Oh, Holmes, il est là! Il est en train de pisser? Oh, j'ai réussi une quête! Et de une! Oh! Ouais, je vois. Amenez Hulse à la gare. Ok. Tellement effrayé que vous devez rester avec lui. Pourquoi il y a une, il y a un truc où il devrait y avoir un garde et il n'y a personne? C'est lui qui est censé être là? Ah, pourquoi il est remonté ce con? Pourquoi il y a des gens qui courent? Oh, il y a Assassin's Creed là-bas, je l'ai vu! C'est lui le méchant? Là, là, il court! Eh, je t'ai vu! C'est ses cheveux? Ah non, j'ai cru que c'était une capuche, merde! Allez, il est là. Holmes, bujidattandana. Kininatte shigotomo te ni tsukanakatta zo. Sumimasen, senpai. Jiken ni dekuwashite, sukkari kowaku natchatte. Demo, iiwake desu ne. Shigoto o nagedasu nante ore saitei desu. Iya, kimi ga buji nara sore de ii. Jitsuwa mukashi Non, mais je vais faire gaffe. C'est une bonne indication. N'hésitez pas à me dire de faire pause d'ailleurs quand vous voyez que je lis un peu trop et que machin, parce que c'est pas un truc où je vais forcément avoir l'habitude, donc je vais peut-être pas y penser tout le temps.
心配かけてました。わかりました。俺これからは絶対遅刻しません。もし俺が遅れると先輩が辛労でどうかなっちゃいますもんね。互いを思いやる心に魂の平安を。 OK。 Escadre de cheminot béret ferroviaire. J'ai gagné des PV. Donc eux ils iront dans l'autre monde, c'est ça ? OK. Faut que j'aille où là du coup? La connaissance est une compétence spéciale de la libération de la trame spatiale. Oh putain, ok, c'est là que ça se complique. Lorsque la chronostase est activée, le cours du temps s'arrête, mais les gens poursuivent leur activité. Cela vous permet par exemple de prolonger le délai d'une quête. D'accord. L'utiliser, ouvrir le menu principal en appuyant sur Y, pouvoir, puis chronostase, le temps s'arrête quelques instants pendant lesquels les aiguilles de l'horloge en haut à droite de l'écran cesseront. Notez, l'effet prendra fin si vous effectuez une action qui fait passer un grand laps de temps. Ok. Et qui toi? T'es pas parlé à toi? ぜったにあやしい。え、何の話かね。いや、さっき物陰に妙な男がいたんです。実は何日か前にもそいつを見たことがあるんですよ。夜になると、ここに集まってくる女神の信者の集団と話をしてた。ね、おかしいでしょ。僕がじっと睨んでたら、男はどこかに隠れてしまいましたが、救世院の封鎖から逃げられるとは思いませんね。 Non, laisse-moi, je veux parler au gamin. Attends, je vais essayer d'avancer, Zeus. Y a pas de raison que j'y arrive pas. Chikagoro, この辺りには人目もはばからず、女神の狂信者たち、異端の輩が集まってきます。白い装束を着た不気味な奴らです。この間は彼らが気になることを口にしていました。邪悪な解放者に死を与え、予言を果たせといった内容です。そして殺されているのは女性ばかり。彼らは解放者は女性だと信じているのでしょうか。Mais ils savent pas que c'est moi ?審問官に伝えた方がいいんでしょうかね。Il veut toujours pas me parler, lui, hein. Lui non plus. Et maintenant, je dois faire quoi? Yomoyama-banashi-o-shini-kita-wake-de-wa-arumai-na.
奴らを泳がせてみろと。悪くない提案だ。いいだろう。私の責任で封鎖は解除しよう。実はいくつか目撃情報が集まっていてな。例の人形を吊るしたのは女神エトロの信者とも。そうだな。お、そこまで知っていたか。近頃は聖なる都の中枢でも奴ら異端がのさばるようになった。あの愚か者どもは神の救いを信じておらん。それゆえ絶望しこのような事件を引き起こすのだ。哀れな者たちよ。輝ける神ブーニベルゼの恩寵を信じて。Il est 23h et des bananes。私は解放され救われるというのになぜわからないのだ。皮肉なことだが、奴らが解放者を否定したことで神を信じる私の思いはかえって深まった。あるいはこれもまた解放者の導きかもしれんな。信じることで救われるなら、信じたいように信じればいい。Ah bah voilà, ok. C'est tout ce qu'il fallait faire du coup. Oh, je vais pas tarder à stop, Sakakara. Je voulais juste voir un peu comment ça se passait, quoi. Alors, les commerces, machin, maintenant que le blocus s'est levé, les magasins, les portes ouvertes. Vous pouvez, par exemple, une boutique qui vend des objets de soins, des armures et propose des tenues et ornements. Je veux aller voir. Je veux aller voir les tenues. Les tenues. Comment ça, nouvelle quête principale? Où? Oh oui, donnez-moi des tenues. Achetez des tenues. Ok. Mais on sait pas à quoi ça sert. Le mieux, c'est de tout acheter, non? Je comprends pas comment ça marche. Est-ce que c'est worth de tout acheter? Ah, ça, c'est cosmétique. Les lunettes et tout. Ouais, tu sais quoi? Et coucou l'homme du riz, comment vas-tu, Charles Tirin? Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ouah, motivé ce soir. Pourquoi motivé, hein? Je suis toujours motivé. Motivé, motivé. Informateur, t'es qui, toi? Je sais pas. Qu'est-ce que je veux? Les informateurs vendent des ouvrages appelés secrets qui contiennent chacun diverses informations utiles concernant les types de monstres. Lorsque vous achetez ces ouvrages, la page du bestiaire de la créature concernée se remplit automatiquement. Peut-être que les affinités alimentaires, les bestiaires se trouvent... Ok. Utile ou pas utile? Bah écoute, ça va, ça va. On a fini... On a fini enfin FF13-2, mais vu que la fin était pas... Comment dire? Elle n'était pas concluante. Donc GDL direct Light Knight Return. Vas-y, je vais prendre ça. Hein. Pardon? Attends, excusez-moi. Comment ça? Quel... Oh là là, mais comment ça on vend les secrets de Gertrude là? Je suis pas d'accord. Alors là, j'ai pas donné mon accord du tout. Mes mémoires restent dans... Non. Mais c'est quoi ce jeu? Alors je... Non. Oh, je sais pas si je les... Je sais pas si je les achète, hein, du coup. Je suis un peu gênée. Ils vont vous raconter. Alerte, alerte. Oh, les secrets sont découverts. Attends, mais il y a un mob qui s'appelle Gertrude. Mais qu'est-ce que... Alors attends, faut absolument que je vois à quoi il ressemble. Si le mob est dégueulasse, ça va pas bien se passer du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Bestiaire. Ok. Taille moyenne. Non, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Oh. Oh putain.
de grande taille, forcément. Ah non, bah attends, elle est où la Gertrude? Ah, il est stylé celui-là. Oh, c'est une machine. Oh, je suis une machine. Je suis dégueulasse. Mais comment ça? Mais putain, je suis un mecha. Mais comment ça, ils ont appelé une machine Gertrude? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est quoi ça? Ah, ça me bute. Mais pourquoi? Écoutez, voilà, je ne vous l'ai pas dit, mais avant, j'étais une machine. Au secours. Je ne me sortirai pas de ça. Il est 23h20. 23h28. Et comment je sais ce qu'il faut que je fasse? Oh, elle est encore là, Chocolina! Tableau des prières. Ah, ça va être des quêtes. Ah non. Il y a des panneaux de prière près des gares. Ok, nouvelle quête, quête terminée. Ok, sans NPC. Oh, mais attends, ça je regarderai la prochaine fois. On va pas s'engager là-dedans. Alors. Pouvoir. Oui. Merde, c'était là. Espionner les hérétiques avant minuit. Mais c'est où? Je les arrête. Nombre de taisés du jour. 903. What? Bah, c'est énorme. Ok. Et donc là, faut que je cherche des gens habillés en blanc, en fait. La porte, elle est ouverte là-bas. Yes. C'est peut-être une créature. Je peux me battre là-dedans. Quoi? Tu vois le 2 en bas à gauche? Oui. C'est A, quand ça arrive à 0, j'ai plus de pouvoir. Oh! C'est quoi ça? Ah ok, d'accord. J'ai flippé. Bah je recommence du coup. Oh oui d'accord, c'est un peu violent le temps qu'il repart par contre. Bah ouais, mais ils sont où les combats là? Y a rien dans la ville.
Acera, elle meurt comme une merde. Cette grille est condamnée. En fait, on bute... Noël, il bute Caius. Et en fait, Caius, le cœur de Caius était lié à la déesse. Du coup, la déesse meurt, c'est la fin du monde. Enfin, vraiment, fin de merde. Hein. Je dis tout ça pour ça, quoi. Mais laissez-moi passer, sinon, en fait... Oh non, je veux rien. Putain! Ouais, ça va être compliqué, ça. Y a rien par ici. Ouais, y a plusieurs fins, mais à chaque fois, elle décède. C'est la dernière que j'ai. Là, la grille, elle est fermée là-bas. Je peux pas y aller. Bah, on va aller là-bas, alors. Hein. C'était où? C'était par là. Hé, hey, toi. Tu veux pas me parler? Super, bonne ambiance. Je voudrais juste finir cette quête et après on arrête. Ah. Ah, c'est parce qu'il joue, d'accord. Un petit garçon, c'est un bébé micote? Oh, il y a un monstre. Baston! Ah... Oh, le plaisir. Oh, mais s'incline comme Yuna et tout. Putain, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Non, mais tout est fermé. Tout est fermé, en fait. Bah, je suis dans la merde un peu, là. Il y a un coffre ici. Comment on monte? Bah, écoute... C'est pas faute d'essayer, quoi. Allez, j'essaye autre chose. Ah, bah attends, on n'a pas encore raté. Je sais juste pas où aller, en fait. Ah, attends, il y a un autre passage ici. Médaille de bronze. Je pouvais choper un autre mob là. Ah putain. Il est minuit. J'ai raté. C'est fini? Bah non, la quête elle est repoussée à 6 heures. Je comprends pas.
Peut-être que j'avais moyen de gagner un bonus si je le faisais dans les temps, mais je sais pas. Et coucou Link, excuse-moi. Ça va et toi? Je suis un peu perdu. Il y a encore un monstre là. Bah je cherche hein. Je vais lui mettre un Dika. C'est le plaisir. C'est le plaisir. Bah ouais, mais c'est ça le problème. C'est fermé partout, en fait. Ici, c'est fermé. J'essaie de retourner à la gare. D'accord que je cherche un mec en blanc. Hein. Ouais, ouais, mais... Poudre 1, ok. J'ai gagné un spell. Oui, j'y vais. Je voudrais juste choper ça. Voilà. Je l'ai mis en choc direct. C'est trop, c'est trop. Ah! R, je l'avais pas, tiens. Je suppose que ça, je peux le mettre sur l'archétype de Yuna. Et là, lui, tu veux te battre? Oh, ils sont là! J'ai pas un truc pour me sneaky? Ah non. Ouais bah attends, je suis caché. Pas caché là? Caché. Merde, ils se mettent à courir, les cons.
C'était audacieux. Oui. Tellement bonne dès qu'il faut se sneaky, c'est terrible. Ouais, j'ai réussi. Bah c'est là où on était tout à l'heure en plus. Ok. Je peux pas passer. Encore ? Dans les pénombres de la nuit, les fidèles de la déesse commettent leurs crimes. Si la technique veut entrer dans leurs repères et perturber leur cérémonie, elle doit reconstituer le code à 4 chiffres. Apparaissent à 6 heures du matin et ne changent jamais. Si tu ne parviens pas à trouver les chiffres du code, elle peut écouter les conversations des habitants. Alors on vient de les avoir les chiffres, non? Accès à certains endroits dangereux et réguliers, les grilles, le portail. À certaines heures par exemple, les bas quartiers isolés et le reste de la ville, les passages qui y mènent ne sont ouverts que de minuit à 6 heures du matin. Passages ouverts ou fermés selon les heures sont indiqués sur la carte. Je suis perplexe. Quoi ? Merde. J'aurais bien juste le code en fait, mais... Non, c'est une case secondaire. Super. Jean-Michel, j'ai pas le temps en fait. Ah là-haut. C'est pas de ça dont il parlait là-haut? Il n'y a pas de chiffre là-dedans. Ah, après 6 heures. Jusqu'à 6 heures, touchage de nouilles du coup. Passage fermé. Donc là, on est d'accord, en gros, jusqu'à 6 heures, là, soit je fais des petites quêtes secondaires, mais pour continuer la quête principale, faut que j'attende 6 heures. Ok. Bah, on va sauvegarder et on se baladera le prochain coup. Hein. Ok, ok.
Écoutez, on rentrera dans le vif du sujet la semaine pro. Au moins, voilà, comme je disais, on a commencé, voir un petit peu ce que ça donne. Un peu chelou, le système de quête timer bloqué, machin, là, je... Bon, va falloir que je m'y fasse, hein. Va falloir que je m'y fasse. Sinon, le délire des tenues et tout, je suis à donf, hein. Juste à donf. Regarde le guide. Attends. Je check. Quitte pas. Je suis du. Non. C'est fait. Yay. Des bisous, Sakakara. Bonne nuit. Attends, j'ai la berlue. J'ai pas le guide. Mais comment ça? Comment ça? Bah alors là, ça me troue le cul. Ah bah non. J'ai pas le guide. Bah c'est pas grave, hein. Faudrait que je le trouve. Je pense qu'il doit pas être à très cher, le Light Knight Return. Bah je l'ai pas. Bon. Bah voilà. Et merci beaucoup, Yoro, pour le follow. Bienvenue à toi.